Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Black Desert Online. En tout cas, toujours les épisodes d'aventure, enfin de commande, de découverte, pardon. Pas d'aventure justement, enfin aussi d'aventure, mais bon, on reviendra là-dessus. C'est quoi ce bordel? Bon, bizarre. Ok. Cadeau de fidélité, oui, bah écoute. Nye. Bon, bizarre. Nous sommes donc au camp. Au poste de garde ouest. Donc là, nous avons, il me semblait avoir vu quelqu'un, voilà. Bonjour Samuel. Où es-tu? Tu es un outsider? D'ailleurs, il a un E dans la dans le truc, mais il a pas de... Ok. D'où viens-tu? Tu veux laisser un cheval? Je m'en occuperai bien, mais rien ne vaut les soins prodigués par son propriétaire. Si tu l'es. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Au niveau des quêtes. Il y a encore quelqu'un à qui je n'ai pas parlé. Yo. Sur les problèmes de bravoure, tu as peut-être besoin d'une meilleure arme. Je te l'ai. Ah, moi, il y a quelqu'un dans le coin à qui je n'ai pas parlé. Lui, sans doute. Non, lui, je lui ai parlé. Lui, par contre... Yo! Ce domaine appartient à Foxhound Guild. Comment puis-je t'aider? Tu ne m'aideras pas. Le forgeron, j'ai dû ne pas lui parler. Bonjour. Pas histoire devant le capitaine, d'accord. Une armure, tu m'as dit, mais j'en ai déjà une. Il me faut beaucoup plus de crédit, cela dit. C'est quoi ce truc-là que je ne peux pas vendre? C'est un truc que je ne peux pas vendre, d'accord, ok. Excuse-moi d'avoir posé la question. Pourquoi pas? Bon bah écoutez, on a des loups à les buter. Pour le moment, ça devrait être notre... cliquez sur le bouton pour recevoir plus d'informations sur l'emplacement. Bah, écoute, vas-y, c'est parti. Ils sont où ces loups? Par là? Ok. Pas de soucis, on va s'en occuper. Tu as des problèmes de loups, donc... Donc c'est bientôt fini. Considère-les comme bientôt résolus, hein. Ces problèmes. Eh ben non, dommage. J'aurais bien aimé cela dit. Alors là par contre je suis pas dans la merde, je le sens bien. Parce que les douves, à la base les douves, s'il y a un truc pour en sortir, c'est pas bon signe. Hein. Ah bah il y a un truc pour en sortir. Oh la vache. Oh la belle bête hein. Ah c'est plus du cheval que du loup hein. Oh. Tu vas te calmer oui. Ah là là. Et il est où l'autre? Alors je m'en rappelle plus du coup de tranche. Boum! Voilà, c'est bon, je m'en suis souvenu. Ok. Parfait. Allez, la rencontre de Jarret. Boum! Ça va sinon à part ça? Oh, bah alors là, il va y avoir un carnage là. Et deux, trois! Ah non, dommage. Je veux bien venir ici, pardon. Merci. Crac. 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 Ok. Et toi aussi. Ok, parfait. Bon. Cela dit, hop. Pénétrer dans une zone sûre. Tant mieux. Bonjour, tu es Duvan. Bonjour Duvan. Connais-tu la forêt de la solitude? C'est un lieu hanté, c'est sûr. Tu comprendras lorsque tu y seras. D'accord. Tu es à peine flippant comme bonhomme. Ok, bon bah pourquoi pas. Et donc, mis à part tout ça, il y a des choses à... Parce que, enfin, je veux pas... Vas-y. Alors moi à la base voilà je voulais le faire courir directement au bon endroit quoi mais... Bonjour j'arrête. C'est un goût bizarre. Oh, oh là t'es conne toi. Mais t'es pas la fille qui était mignonne qu'on a vue dans le premier village pourtant. Pouah c'est toi de... Tu le merci d'en parler Cliff. Je m'appelle Jarret, que faites-vous ici? Une caverne au sud du camp. C'est l'ancienne salle de pierre qui t'intéresse, peut-être. Bah écoute, pourquoi pas.
Ce Edan, ce gars est-il paresseux ou est-ce vraiment difficile? On présente le trapèze bouclier vengeur, d'accord. Edan l'explorateur. Formidable, j'allais justement envoyer un soldat à la salle. Tu y verras un homme du nom d'Edan. Je ne sais pas s'il est paresseux ou s'il a des problèmes. Ça prend trop de temps pour trouver un morceau de pierre. Est-ce qu'il construit un château là-bas ou quoi? Dis-lui de terminer au plus vite. D'accord, pas de soucis. Je veux bien lui donner des ordres, mais ça va pas lui plaire. Hein. Ok, pas de soucis. Mon loulou! Mon chouchou, mon toutou, mon loulou! Bon! You must be an adventurer. Do you need a weapon? Merci! The imps have stolen a lot of the militias. T'as pas d'autre quête à me donner, dommage. Par contre, je vais prendre ce que tu m'as donné. C'est où, c'est là? Hop! Ça m'a donné une case en plus, truc de fou! Truc de fou! Bon, c'est pas grave. En soi, ce n'est pas grave. Donc, y a-t-il d'autres quêtes dans le coin? Ah, quelqu'un à qui je n'ai pas parlé en tout cas. Bonjour. Et j'avais dû te parler dans l'autre version du jeu en fait. La princesse Jarrett arrive-t-elle à supporter ses maux de tête? Fenia m'a demandé de lui concocter un médicament. D'accord. J'étais à Olvia, c'est là que j'ai grandi, j'y repense souvent l'occasion. Platine à mèche d'entraînement. Hein, quoi? Une contribution requis, point de contribution. Ah, pas assez. Question d'objet, vous pouvez. Ah d'accord, je pouvais d'accord, je pouvais emprunter un objet en fait, louer l'objet. Ça m'intéresse pas. Ok, bon, bah, y a pas l'air d'y avoir d'autres quêtes dans le coin, ce qui est un petit peu triste. Bon. Par où? Par là, on y va. On va suivre la fée, il se met à pleuvoir, c'est génial, c'est la fête. Je viens de voir quelqu'un disparaître devant mes yeux, ce qui m'inquiète. Ça, d'ailleurs, ça arrive assez souvent. Allez, sprint. On m'a dit sprinter aussi souvent que possible. Parce que ça me permet d'augmenter une stat, apparemment. Si vous le dites. Hop. Plein de trucs qui apparaissent en haut de l'écran. Je sais pas ce que c'est. Hop. Apparemment, ça augmente ma force. Bah, ce qu'on m'a dit, c'est que ça augmente ma force et ma capacité à porter des choses. Ce qui est en soi intéressant. Qu'est-ce que ça? Sanglier gris. Oula. Non. Non, 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 ça je ne... Je ne suis pas d'accord avec l'existence de cette bestiole. Mais genre pas du tout. Jeune esprit des arbres. Non, c'est trop magique pour moi, ça aussi. Hop. Apparemment, par là, je gagnerai du temps. Alors qu'on grimpe un petit peu, cela dit. Hein. Hop, non, tu veux pas. Ça y est. Hop, merci. Bonjour, esprit des arbres mature. Ah bon? Et qu'est-ce qui fait que tu es mature? D'accord. Esprit des arbres mature rend. Ah, bah écoute, pourquoi pas. Quelque chose par là. Hello, cartographie, d'accord. Oh, pardon, j'ai pas voulu te taper dedans. Mais c'est Jarrett! À quoi tu joues? Tu te moques de moi? 10 d'énergie, découvrir l'ancienne salle de pierre. D'accord. Ok. Je suis ici car des ouvriers ont eu la flemme. Où sont-ils donc passés? D'accord. Quoi? Oh, je capte pas du tout ce que je fais. C'est une horreur. Bref, c'est par où? Forêt de la solitude? Non, c'est pas là. Hop. On va sprinter dans 3, 2, 1, c'est parti. Et on saute. Hop. C'est bon. Ok. Et donc, ça m'indique par là, mais... Je commence à avoir des doutes. Quoique, non, bah non. Non, là, il n'y a pas de raison d'avoir de doutes. Ok. Salut les filles. Oh les filles, oh les filles.
qu'est-ce que c'est que ce bordel? Niféric, bonjour. Est-ce une île de l'esprit des arbres? On dirait un nid d'esprit des arbres. Tu ferais bien d'installer un géopoint pour la forêt de la solitude ici. Et apparemment, voilà ce que c'est qu'un géopoint. Je sais pas du tout ce que je fais, c'est d'une tristesse. Je crois que c'était là que j'allais, moi, à la base. Le jeu m'aurait-il feinté? Le jeu m'aurait-il feinté? Apparemment, oui. On va y aller en mode grimpette. Bon, bah non. Hop, voilà. Et donc, c'est à 320 mètres. Donc j'étais bien dans la bonne direction finalement, c'est juste le jeu qui m'a dit non quoi. Oula. Des grosses pas, des gros pas de grosses bestioles, d'ailleurs là regardez les bestioles. Par contre normalement je suis censé te frapper hein, l'ami hein. Hop. Voilà. Je fais ça pour récupérer un petit peu d'endurance en bas. Je sais pas comment ça s'appelle véritablement cette énergie jaune. L'énergie jaune de la peur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, je peux pas le casser. Ok. Ok. Là, il y a un arbre qui a été coupé. C'est pas bien. Ah oui, mais il y a un peu... Enfin, je sais pas, ça... Vous moqueriez pas de moi, là, quand vous me montrez ce genre de zone. Voilà, hop. Voilà, voilà. Ah bah ça redescend par là. Merde, je vais aller derrière le caillou moi. Ok. Ça me dérange pas. Hein. Honnêtement, je sais pas ce que je fais. Ok. Le caillou est encore très très gros ici. Ok. Oula yao. Oulala. Adieu. Non ça va. Oula. Oula. La texture. La texture. Hein. Oh je glisse. Oh je glisse. Ah. Bon, tant pis. On va devoir essayer de remonter. Bah par là je crois qu'il y a un chemin de toute façon hein. Cette montagne de l'infini. Bon, je vais ranger mon armement déjà. Hein. C'est par où? C'est par où que je peux passer? Et merde! Ce jeu qui se moque de moi, je suis obligé d'utiliser le truc de déplacement rapide quoi. Ah bah bien. Bien le pathfinding. Bien les mecs là. Hein. Franchement, il y a du niveau là. Moi aussi, j'ai essayé de passer par là. Hein. Ça a pas marché. Pourquoi? Pourquoi je... Pourquoi? Pourquoi? Je vais te regarder sur la carte? Non, je ne veux pas. Ok. Bon, tant pis. Ce fut un échec. Mais c'est quoi cette chaîne de montagne? On m'avait pas prévenu, hein. Que je devrais gravir une montagne. Oh. Hop, on y va. C'est pas grave. Mais j'aimerais la prochaine fois être prévenu. Vous allez gravir une chaîne de montagne. Démerdez-vous. Prenez la première à droite. D'accord. Bonjour. Apparemment, j'ai obtenu un point de compétence de combat, allez comprendre. Récolte. J'en ai pas, d'accord, tant pis. C'est fait. Merci. Oh, du fer, j'en ai pas non plus. Cool. C'est marrant parce que j'étais super persuadé d'en avoir chopé.
Ou alors c'était dans un truc que j'ai pas chopé, genre dans... Ah bah regardez, récompense là. D'accord. Ok. Palette de merve. J'ai tenu apparemment un... Boîte armes et d'habits de l'art arcien. Mes stats qui viennent de tomber d'un seul coup, c'est pas grave. Boîte d'armes et d'habits. What? Ensemble d'armes et armure de l'art arcien. Mais c'est quoi, elle me dure 7 jours quoi, c'est genre ça? Oh, c'est nul comme équipement ça. Ok. Ouais bah je m'en fous, je vais le mettre hein. Oh, plus c'est stylé. C'est du cosmétique en fait, chers amis. Bah voilà, je crois que tout est équipé. Pas mon genre d'armure hein. Enfin ça fait pas guerrier quoi, ça fait plus pirate et effectivement je trouve pas ça top. Enfin bon, ce n'est que mon avis chers amis, ne vous en inquiétez pas. Ça me dit pas qu'en fait il y avait une grotte depuis le début et que je suis passé par dessus alors qu'on pouvait passer par contre. Oh putain. Ah puis en plus c'est une grotte aménagée. Ah oh, bah. Ah oh, bah oui. Ah oh, bah c'est tout confort en fait. Pourquoi se faire chier? Ouvrez les portes. C'est pas une statue, hein. Enfin, faut pas être trop con non plus, hein. Faut pas être trop con non plus, hein. C'est pas une statue, hein. Ça, c'est un golem, hein. Ça, c'est des vrais gens qui ont été transformés en pierre. D'où la position. Et mec, vous vous en rendez pas compte. Y a que moi qui. D'accord. Oh, je peux ouvrir là-dedans. Ah, oh, dommage. C'est bien, on fait travailler les gobelins. C'est cool. Bonne idée. Oh, la mine. Oh, par contre, ça, je voulais pas l'encontrer, ce truc-là. Hein. Ok. Défensif, j'ai pas l'impression. Hein. C'est bien de le dire, mais... non, moi, personnellement, je suis pas d'accord. Hein. C'est pas défensif. Hein. Bon, bonjour. C'est le destin qui m'a conduit ici. Edan, alors, qu'est-ce qui t'arrive? J'ignore ce qui t'a conduit ici, mais ça doit se faire partie de ton destin. Terminé. Que veux-tu savoir? L'espérance ouvrira progressivement la voie. Bah écoute, tant mieux. Oh, bonjour. Ça faisait longtemps. Les humains demandent toujours de... Ah, mais c'est chiant, je vais dire la même chose, c'est débile. C'est débile. Éveil, souvenir d'Edana. Les humains demandent toujours de... Oui, d'accord. Tu vois la pierre qui figure derrière lui, elle cache quelque chose. Ce n'est pas une aura plaisante. Mais elle m'attire irrémédiablement. Nous devons examiner cette pierre. Ce qui va s'échapper de cette pierre n'est pas bon. Tu devrais aller voir ce que c'est avant. Bah écoute, pas de soucis. Je touche. Un homme mystérieux répondant au nom d'Edan et l'artefact ancien dans la salle de pierre. L'énergie qui émane de cet artefact et les esprits occultes sont très similaires. Vous approchez des vestiges cinématiques. Bonjour mademoiselle. Eden, look at this. Wrong with the artifact? Could it somehow be your presence? You, though it's weak, you are possessed with dark energy. It still hasn't awakened. Hey, tell us anything at all you can remember about the black energy. You must rid yourself of all those hallucinations. Eden, stop. He seems unstable. Ew, c'est quoi ce bordel? C'est
C'est quoi ce bordel? Éveillé, civilisation, sacrifié, sacrifice sacré, sceau, serment. D'accord. Peut-être que quelqu'un a laissé ce message. Peut-être que quelqu'un a laissé ce message. Faut que j'arrive à articuler quand je parle. La vache, il a changé de forme. La vache, il a changé de forme. Non ? Il est resté comme ça pourtant. Dommage, j'ai préféré la forme qu'il avait tout à l'heure. Ah, c'est vrai, échappe. Yo ! Le passé ne donne pas d'indication sur l'avenir, tout dépendra de l'expérience acquise. Regarde cette statue de pierre mutilée. Le sujet porte une soutane. Bizarre, hein ? Il n'y avait pas de prêtre à l'époque. Un intrus a pénétré dans ce lieu, et les gardiens de la salle de pierre sont les plus endommagés. Malheureusement, rien ne peut défaire les incidents du passé, n'oublie jamais ce sage conseil. Fais preuve de discernement dans tes décisions, toujours. D'accord ? C'est pas toi que je voulais parler. Qu'est-ce qui ne va pas ? Sortons d'ici, terminé. Ok. Que veux-tu savoir ? L'espérance... Ah ouais, d'accord. L'espérance de ça. L'esprit occulte semble s'être éveillé. L'illusion noire se révèle à toi, je sais ce que c'est. Voici mon conseil, ne laisse pas l'illusion se nourrir de tes émotions. Si tu lis trop d'amitié avec elle, cela te compliquera les choses. C'est difficile à expliquer comme ça. Mais tu apprendras par toi-même de ton expérience. Et l'expérience t'aidera. Inventaire plus 2 et contribution plus 50. D'accord. Bah déjà, l'inventaire plus 2. Je pense que c'est... C'est nécessaire, mais je le vois pas. J'ai eu un truc... Non, je l'ai pas eu. J'ai commencé la quête à tous les coups. Ok. Voyons voir. Fresque semblant représenter l'expérience des sages 5. Des sages V, je sais pas. L'expérience. La deuxième vie des Dana ressuscité d'entre les morts. Les sages Kabua le vénérant. Continuez. D'accord. J'ai déjà fait tout ça. Ah, fallait que je les fasse tout d'abord. Ah, merde. Ça c'est 1. Fresque semblant... Ah non, représenter l'expérience des sages 2. Donc c'est pas celle-là. La 1, elle est où? Ça doit être celle-là. Fresque semblant représenter l'expérience des sages. Le premier ancien. De Edana, un combat mystérieux. Edana, le premier ancien, ayant réussi à vaincre son double. D'accord. Intriguant. La révélation de Heaven, le chaos et la bénédiction des pierres noires, le chef Edana dirige les Kabua grâce à son grand pouvoir. D'accord. La fusion des Kabua et des barbares. La signification de la pierre noire. Deux jeunes enfants écoutant les récits d'Edana devenant les guerriers, le gardien des pierres noires, pardon. D'accord. Pourquoi pas. Des sages Kabua en deuil, Edana enterré dans les pierres noires, la lumière disparaît. D'accord. Et sa résurrection un peu plus tard. Deuxième vie d'Edana, c'est d'entre les morts, les sages Kabua le vénérant. D'accord. Ok, et donc ? Remember, friend. Cela a protégé la salle pendant très longtemps, ainsi que la fonction n'a pas eu l'effet... Ainsi, la fonction n'a pas eu l'effet souhaité. Mais les sons des sages... Pardon, mais les souvenirs des sages, ils finiront par t'aider. Ce que tu vois maintenant n'est qu'une pièce imparfaite. Tu rencontreras très souvent... vous voyez dès que j'accélère. Tu rencontreras très souvent ces pièces durant ton voyage. C'est également difficile à expliquer maintenant. Un jour, nos chemins se croiseront à nouveau. Souviens-toi, mon nom est Edan. Ok, au revoir. Oula. Donc il a changé de forme. Tu sais qui sont les ennemis les plus faibles que tu n'as jamais... Que tu aies jamais affronté. D'accord, c'est bizarre. Transfusion, des nouveaux trucs. Optimisation. Okay. Vaincre les esprits. Tu sais qu'ils sont les ennemis. Qui sont les... Vaincre les esprits des arbres. Les jeunes esprits des arbres sont minuscules. Ils me ressemblent un peu, tu ne trouves pas? Eh bien, en réalité, ceci n'est pas ma vraie forme. Merde, l'armure que j'ai, j'ai en trouvé une. Presque aussi bien. Dommage. Ok, j'aurais peut-être pas dû l'acheter. Comme chaque fois, les armements, faut jamais l'acheter. Transfusion, c'est quoi ce bordel? D'accord, c'est mettre un.
Hein? Hein? Imaginons, je mets ça là. Je peux pas le prendre simplement. Hein? Je capte que Puik. Ok, c'est pas grave. La quête est prise. Je capte que Puik à l'interface, à la façon dont ça marche. C'est vraiment dommage. Mais bon, comme je l'ai peut-être expliqué dans une vidéo précédente, je me rappelle plus. L'objectif réel de tout ça, chers amis, c'est avant tout de montrer les premières heures de jeu, si le jeu vous plaît ou pas. Parce que bon, un MMO, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va y passer des heures. Donc si l'intro déjà vous plaît pas, si vous avez du mal à vous rentrer dans le jeu dès le début, forcément je ne peux pas vous en vouloir, hein. Ça vient d'un jeu, du jeu en lui-même, de la façon d'interpréter. Et par conséquent, je préfère vous économiser 30€ ou 50€, que vous puissiez voir réellement à quoi ressemble le début du jeu. Hop, voilà. C'est con parce que j'en ai déjà tué un paquet, pardon. Je croyais que t'étais mort. Excuse-toi. Tu donnes rien, pourquoi pas. Ok, ça c'est fait. Hop. Dommage. Tu n'as rien non plus. Toi non plus. Ok. Ça c'est fait. En reste-t-il d'autres? Les petits. Oh. C'est glauque de s'attaquer aux petits, pardon. Hop. Ok. Hop. Même pas agressif, quoi. Hop. Ok. Celui-là aussi, c'est bon. Les petits. 5. Ah non, il est pas mort. Voilà, là il est mort. 6. Oh. 7. Même si j'ai un peu tapé dans le tas, là je veux bien l'admettre. Oh. 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 Bon, tant pis. Hop. Voilà. Hop. Il reste plus qu'un. Hop, c'est parti. Et crac. Ok, ça c'est fait. Esprit occulte me demande quelque chose. On va à droite. Yo. Ah, donc il a cette fois-ci définitivement changé de forme. Pourquoi pas. Merci, tu te sens comment? Est-ce que tu peux voir que tu gagnes en puissance? Uno et les frites géants. Tu sais qui sont les ennemis les plus faibles que tu aies jamais affrontés. Tu te souviens des frites que nous avons vaincus? Quelque chose se cache en dessous de leur antre. Je peux aussi sentir un flot de puissance occulte, mais un homme mystérieux nous attend. J'espère que je pourrai voir ce qu'il cache au très fond de son esprit. D'accord, tu deviens creepy un petit peu, mon ami, hein. Je veux pas dire, mais... Ok. Hop. C'est par là apparemment. Bah écoute, vas-y. Hop. On va y aller. D'accord, on est ralenti toujours par les mobs, ça c'est peut-être un petit peu embêtant. Mais bon, c'est réaliste au moins. Hop. Oula, yahoo. Yao yao. Hop. Mais où est-ce que tu m'emmènes? Tiens, est-ce qu'on va vraiment sur la bonne quête, quoi? C'est ça qui...
Pourquoi tu m'as dit que là-bas alors? Bah c'est bien là pourtant. Oh là 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 là, il faut que je reprenne la route en fait, c'est ça le truc. C'est ça qui l'emmerde. C'est que je ne sois pas sur la route. Bonjour loulou. Comment ça va mon loulou? Alors, on m'a dit aussi qu'il y avait des sets d'armure que je pouvais acheter dès le début qui allaient m'aider par exemple pendant tout un leveling. Ça m'a surpris. J'ai bien compris le principe des armes, mais quand même de là à ce que ça vraiment tout, soit vraiment tout un leveling, ça m'étonne. Ah oui, aussi on m'a dit de vous montrer ça. Il y a une durabilité. Par exemple, où est-ce qu'il est? Il y a ça que j'ai pas pu aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est. Ok, vas-y, arrête-toi. Une pierre rouge. D'accord, pour une arme. Ok, pourquoi pas. Mais ce n'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais. Dôme de beauté, non, c'est pas ça. Boutique de perles, voilà. Ouf, le petit bruit. Enquête de la faux des ténèbres. Ah oui, c'est, la suite du comment. Là, vous voyez l'élévation du guerrier. Je peux porter une. Quoi? D'accord. Avec la. D'accord. Ah, c'est sympa ça pour la Valkyrie. Et l'arme, c'est quoi? Oh, le pauvre bouclier. D'accord, le voilà. Ok. Et donc, vous voyez, alors je le monte sur une fille, vous allez être content comme ça. Il y a une durabilité de l'équipement. Ça, vous pouvez être content. Ça c'est quoi? C'est le Murat. Oh, d'accord, donc ça c'est le... Mais ouais, alors ça doit être rigolo à regarder, ça. Ah non, ça va, ça aurait pu être bien pire. Pareil, là ça va être sympa. Ouais, franchement ils sont sages, hein, je suis surpris. Ah bah, voilà, là c'est beaucoup moins sage, là, sur le principe. Ok. La rôdeuse. Tiens, j'en connais un qui va être content. Est-ce qu'on peut avoir un... Alors, un berserker. Oh, elle est sympa, son armure. Même si ça fait un petit peu trop asiatique, je trouve. Ninja. Oh. Oh, c'est stylé. Ça fait très Altaïr, mais... Kunoichi. Alors ça, ça va être violent aussi, à mon avis. Oh, c'est stylé. Et je reconnais que c'est stylé, là, pour le coup. Ah bah, c'est pas de trop. Bah, c'est parfait que ce soit pas de trop. Les magiciens. Oh, bah, alors là, ça, c'est moche. Ah, le chapeau pointu comme ça, c'est bien, bien moche. Hein. Mmh. D'accord. Même l'arme a une... D'accord. Il est pas sorti là le bouclier, c'est pas possible. Enfin bon. Enfin bon, on va arrêter là, voilà. Donc vous voulez que je vous montre ça. Hop, alors. M'avait réclamé, donc je le fais. Voilà! Scarabée! Qu'est-ce que c'est? Rien? D'accord. Cœur d'arme ancienne. Il y a l'air d'avoir plein de choses à faire, mais je sais vraiment pas quoi faire. S'il y a des joueurs qui me regardent et qui savent, qui sauraient me guider, des vrais joueurs, hein, des mecs qui sont super bien équipés, tout ça, machin, le truc, qui sauraient me. Yo! On y est apparemment. Uno. Jouons tout ça Uno. On va rigoler. Je crois en la science, mais cela ne veut pas dire que je rejette l'alchimie ou la magie. Ce sont deux domaines remplis de phénomènes mystérieux. Qu'en penses-tu? C'est confus, n'est-ce pas? Il te faudra probablement du temps pour assimiler tout ça comme moi. Oui, allons-y lentement. Qu'est-ce qui t'amène dans cet endroit? Ou alors, m'as-tu trouvé par toi-même? Peu importe, je peux voir la puissance occulte qui t'habite. Pour l'instant, je n'arrive pas à saisir toute l'étendue de la vérité. Je suivais une série d'histoires, pardon, portant sur des monstres gigantesques qui font appel à la puissance occulte. Mais ils ne te ressemblent pas, les monstres, eux, brûlent de désir pour la puissance occulte. J'étudie ces phénomènes, toi aussi t'intéresse? Bah écoute... Pourquoi pas? Tu cherches donc un gros effrit? D'accord, ok, ouais, ok. Tu sais qui sont les ennemis les plus... Ah d'accord, ok, quête. Coop, l'esprit occulte et l'esprit géant. D'accord, l'esprit de Berserker, je pense savoir de qui il s'agit. Je peux lire les recoins les plus sombres de l'essence d'un individu. Oh, tu ne me crois pas? Est-ce que je devrais lui montrer? Souviens-toi, ce que je te montre est égal à la réalité. Ça pourrait même te tuer.
Remarque, si l'espace de votre inventaire est amélioré au maximum, celui-ci ne sera pas agrandi, même si vous recevez la récompense. D'accord. Écoute, je veux bien faire la quête. C'est une quête en coop. Et on va donc aller voir si c'est véritablement de la coop ou pas. Capitaine Efrit. On va peut-être le mettre ici. Donc il y a un parchemin d'invocation apparemment. Je pense que ça doit être ça. Fais péter! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, faut que j'aille à un point précis en plus. Et c'est loin. Faut que j'aille dans l'eau. Oh, il y a un petit village. Oh, c'est sympa. Une belette. Une belette. Voilà, c'est bon, problème résolu. Vongot. Bonjour, Vongol. C'est un Vongol. Logia dit avoir été... Ah non, je sais pas s'il parle comme ça. Ok, bon bah écoute, salut. Salut, 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 salut. Bon, on a une quéquette par ici. Hello there. This is Logia Farm. Est-ce que Santomanzi soutient toujours les travailleurs gobelins? Maintenant que j'y pense, je n'ai pas vu la ville depuis un moment. Camilla Logia est ma fille, elle a un don pour juger les gens, va lui parler, si tu lui plais, reviens me voir. Vous devez remplir certaines conditions pour obtenir les connaissances de ce PNJ. Commencez par aller voir le PNJ indiqué sur la carte du monde, puis revenez voir ses connaissances, d'accord. Marchand de graines, Camélia. Bonjour Camélia. Notre ferme s'étendait autrefois jusqu'aux collines de Flemme. C'est dire si ça remonte à loin. D'accord. Ouf. Tu veux goûter à mes gros seeds? Bref, c'est dégueulasse, je veux bien le reconnaître. Ici, il y a quelqu'un. Apparemment, c'est dedans la maison. Où est la porte? Hein? Ah non, il est là. Merde, je l'avais pas vu. Voici mon trésor, les pierres noires ont... Les pierres noires ont aussi du fait du chef des gobelins ce qu'il est. J'aimerais lui ressembler. Chacasse, je suis le grand chacasse. D'accord. Vous pénétrez dans une zone de combat. Ah bon? T'es sûr? Hop! Ok. Boum! Hop! Et... Crac! Hello there! Hop, je vais essayer de descendre par là, mais... D'accord. Bonne pêche, what the... Bonjour madame, vous avez vraiment pas grand chose sur vous madame. Je sais pas quelle classe vous jouez madame, mais... Oh la vache. Je retire tout ce que j'ai dit. YouTube. Va falloir être un peu plus sage. Bon, c'est pas grave. Je m'écarte un petit peu de la dame quand même, qu'on l'emmerde pas avec ça. Je t'invoque, démon, entité démoniaque, monstruosité. Bon. Eh ben le v'là. J'avais pas prévu que ça se passerait comme ça et qu'il serait aussi grand à vrai dire. Quand j'ai vu la tête des petits effrites, il m'attendait à un truc genre de bataille à moi quoi. La vache. Ah oui, la belle bête quoi. Hop. Raté. Raté! Raté, je l'ai bloqué! Tu veux bien l'attaquer, s'il te plaît? Non? Raté! Viens par là! Ah bah, j'ai pas réussi à le... Bien joué! Qu'est-ce que... Il semble plus démoniaque qu'avant, ce qui n'est forcément pas bon signe. Vas-y, viens, je t'attends. Boum.
Sa vie est rouge. Joli. Je l'ai eu. Ah bah dis donc, heureusement que c'est une quête en coop. C'est stylé, cela dit. Et je peux rien récupérer sur lui, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Hop, on appelle notre ami. Il y a plein de monde du coup là. Ok. Hop. Bonjour mon ami. Comment vas-tu mon ami? Oula, il y a un deuxième qui arrive. Je le savais que tu allais triompher. Et même si tu perds, tu ne perds que ta vie, pas vrai? As-tu visité la ferme Alejandro? Celle qui demandait de l'aide? Si les humains sont pénibles, allons combattre des esprits de mine ou autre chose. Velia, le refuge des bleus. Refuge des foncés? Maintenant nous devons nous occuper des gobelins. Ils peuvent présenter un certain challenge pour toi. J'ai peut-être une idée. J'ai entendu parler d'une ville nommée... Nommée Velia dans les environs. C'est un lieu de passage où les aventuriers en herbe comme toi peuvent se reposer et trouver un meilleur équipement. Pourquoi ne pas y jeter un œil et s'y reposer un moment? Je suis certain que le chef t'accueillera à bras ouverts. Pourquoi pas? Et ah, ces gobelins! Et voilà une pauvre petite tribu. Ils auraient pu au moins être mignons, comme moi. En plus, ils traînent toujours en groupe. Est-ce qu'ils ont parlé d'être seuls? J'ai obtenu un truc bizarre dans la quête, mais bon, pourquoi pas. Il l'a déjà battu. Ah bah excuse-toi, hein. Excuse-toi si j'ai été un peu plus stylé que toi, hein. Ok. Il y a un chemin par là, alors je me dis que... on va peut-être le prendre. Ok, c'est parti. On y va. Allez, Simon. Hop. Bah pourquoi tu... C'est débile. Hop. Voilà, ça recharge, on resprint. Remarque, c'est pas trop mal le comment le truc automatique. Hein. Oh, ils sont où ces gobelins? Putain, 300 mètres encore. Nous voilà arrivés dans la ville, on va quand même parler un petit peu à Hans. Non, tu ne fais pas partie des leurs. Aussi étrange que cela puisse paraître, on a aperçu des pirates dans cette zone. Ah, je suis habillé comme un pirate, du cul. Je suis Hans. Tu n'es pas d'ici, pas vrai? Je n'ai jamais quitté Velia, je suis très curieux d'en savoir plus sur le monde extérieur. Jour et nuit. De nuit, ta vision est considérablement réduite. C'est la raison pour laquelle c'est plus dur d'affronter les monstres. Mais si tu combats des monstres la nuit, tu gagnes plus d'expérience que durant la journée, d'accord? Jeton de gobelin, 10 recuits. C'est quoi ces jetons de gobelin? Ça m'intéresse. Hop, ça m'intéresse. Oh la jolie bébête. Oh le joli cheval. Mais il y a tellement de monde ici, c'est mignon, c'est génial. C'est vivant. Ça fait presque trop bizarre. Ah là 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 là. Encore une minute de combat. Bon. Allez. Ah ça doit être par là. Qu'est-ce que... Je peux attaquer les tournesols? Je peux attaquer les tournesols? Juste pour voir. Ah non. Il ne sait pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Belette. Belette! Je peux fouiller. Wagon cassé, des pièces d'un wagon détruit sont éparpillées partout. D'accord. Oui, je le vois bien, quoi, mais... Moi, ce que j'aimerais, c'est fouiller dans le wagon, toi, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Salut, mes loulous! Bah, ça va, si ça vous inquiète pas plus que ça... Je viens de tuer deux d'entre vous juste devant vos yeux, mais c'est pas... Boum. Ok. Oh, ils en ont des chaussures. Boum! Je l'ai eu aussi. C'est pas très dur, hein. Hop! Hop! Mais non, mais meurs! Ah, il est solide celui-là. Hop!
Boum. Boum. Voilà, fini. Non. Putain, mais il est solide. Bon, ça serait bien qu'il m'enlève le... Attendez, hop. Oui, je l'ai bien vu, mais j'aimerais juste que tu te fermes, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Vieille dague de gobelin. Et apparemment, j'ai plus de place dans l'inventaire, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Gants de Reblat, eh ben écoute, je vais les équiper. Chaussures de Reblat, eh ben écoute, je vais les équiper aussi. Épée longue d'Eish. Ah oui, elle a l'air bien mieux en plus. Ok. Ok, j'ai plein de choses en fait sur moi que, je n'ai pas équipé. Hop. Ok. Bon, parfait. Hop. Hey, non, toi tu viens par là. Boum. Mange le sol. Toi aussi, tiens. Hop. Boum. Voilà. Crac. Salut. T'as le droit de le dire hein, si je te fais chier, hein, l'ami. Hop. Si, c'est bon. Salut. Et boum, mange le sol. Ok. Bon, ça se passe assez bien en somme. Alors. Hop. Non, non, t'as cru toi. Ok. Hop, des gants. Gants d'or et blatte. Écoute, c'est cool. Alors, attendez, du coup, y'a pas un... Ouais, je vais voir ça tout à l'heure. Là, y'a une quête, là, y'a une quête. Boum. Quête accomplie. Bon, parfait. Donner des sous. Pourquoi pas. J'aimerais essayer de me planquer quelque part. Hop. Parce que ça va être la fin de l'épisode. Hop. Je pense, hein. Je sais pas combien de temps ça fait qu'il tourne, mais... Oh la vache, ça fait 50 minutes, je crois, à peu près. Bon. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, on va cesser là pour cet épisode, du coup. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Enfin, le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Salut les gens. Et yop.